avec vous, amis internautes nous, amis Facebook, amis YouTube, les abonnés, capable de channel de channel 300 soldats de Gédéon. On est toujours un petit rendez-vous chaque week-end. Oui, vous êtes capable de joindre vos visions et à travers la Bible et que nous toujours disponible pour vous sur ce channel-là. Et nous sommes contents que vous avez participé avec nous. Nous sommes contents de vous recevoir commentaires et vos compliments. Ça réjouit que nous. Et nous profiter de l'occasion pour nous saluer aujourd'hui et que bon Dieu est capable de bénir nous. Et nous allons rentrer dans l'autre réflexion, toujours sur le sujet nous. Et on l'autre partie dans le sujet nous sur la création. Et ça, bon Dieu fait. Et ça, nous-mêmes, nous admettons que c'est bon Dieu qui fait. Et je dis à nous pour parler de la formation de la femme. Donc, là, dans la dernière intervention, nous avons parlé de la formation de l'homme, de la création de l'homme. Et je dis à nous pour parler de la formation de la femme. Nous allons regarder qui côté les femmes sont sorties et comment les femmes nous-mêmes peuvent venir à l'existence. Voir ça à travers la Bible parce que nous avons l'autre moyen pour nous référer nous de la Bible et même les notes aller dans l'autre source, mais c'est une source qui est en connexion directe avec la parole de Dieu. À nous prier en petite grâce pour nous avancer. Ô Père de toute grâce et Père créateur de toutes les choses, que nous bénissons et nous rendons action de grâce, que nous même seul mériter. Merci vous d'être nous encore privilège nous capable à respirer et pendant à respirer souffle là à respirer Seigneur et nous voulons profiter de souffle ça et vous te mettez dans nous pour nous capable de servir et pour nous capable de prêcher et enseigner parole. C'est ça nous parle. La chair et le sang pas qu'à faire avec sérieux. Et la chair et le sang pas qu'à expliquer la parole de Dieu. On est poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu dans les temps d'autrefois. Et maintenant, Seigneur, ça a fait et n'a pas qu'à venir. Et puis, il faut qu'on enlève les grisous, ça a toujours fait. Donc, bénis l'intervention. Et bien que Seigneur, chaque monde qui va écouter, qui va attendre, qui va regarder, il va voir véritablement que c'est qu'il s'agit de la parole de Dieu. Bénis-nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, encore une fois, un gros salutation pour nous tous. Et sans ne pas perdre du temps, on nous avance. Sujet nous, c'est toujours dans la création, mais cette fois, c'est la formation de la femme. Alors, la dernière fois, nous t'ai parlé de la création de l'homme et nous t'ai dit, ensemble avec moi, dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et pour mieux dire, dans Genèse chapitre 1, verset 26-27, bon Dieu te prend une décision, il te dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et dans Genèse 2, verset 7, bon Dieu prend une décision, il prend la boue, fait la boue, et il fabrique l'homme. Et puis, ouais, c'est ça que nous te montrons dans une vidéo. Alors, on a profité de dire tout que nous prenons une image. Côté que nous avons un personnage et cap fait et prend la boue et puis cap fabriquer et l'homme. Donc c'est une image que nous utilisons. Alors nous pour précision ça pour nous dire que image que nous utilisons là, nous pas quoi que mon qui vient pour cheveux assez bon Dieu vrai ni tout et être fait à tout c'est Adam tout bon. Mais cependant vous connaissez des fois, image là capable de servir pour mieux expliquer l'écriture là. Alors nous servir à l'image, mais nous ne voulons que personne t'a l'interpréter que nous, ça, c'est lui nous apprend pour mon Dieu. Et que nous, l'autre monde qui avec la voix, le souffle, qui nous prend le voix dedans. Alors c'est juste une image et qui travaille de la sorte que nous utilisons pour nous capables de soutenir et enseignement par là d'accord ou même tout va prendre ça comme ça bon Dieu bénisse.
Alors je dis, la formation de la femme, nous pourrons lire rapidement dans Genèse chapitre 2, nous lisons depuis verset 18, puis verset 21 et verset 22. Genèse 2, verset 18, oui, et verset 21. Nous pourrons prendre un petit temps pour vérifier avec nous, vraiment, et référence ça. D'accord? Et la parole de Dieu dit dans Genèse 2, verset 18 à 21, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Verset 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, il y a une relation entre la formation de la femme et la création de l'homme. L'homme a été tiré de la poussière par Dieu et Dieu a appliqué de la boue pour être capable de mettre l'homme là et une masse informe et puis il travaille, il bat la forme et puis l'homme d'abord il vient plein sens lorsque le recevoir le souffle de Dieu. Maintenant de cet homme. Bon Dieu fait un travail psychologique. Il permet que l'homme, nan, avec intelligence qui vient dans l'IA, pour être capable de faire toute l'autre créature, non, animaux, volailles. Et l'homme, avec intelligence que l'on peut recevoir de Dieu, dès que il est réveillé, maintenant, capable de dire de l'état que l'on est, l'entrée dans l'état, bon Dieu, il est après souffle. Il y a intelligence, il y a tout bête yon nou. Et puis, dans le cas, il y a un mâle, un femelle. Mais il n'y a pas de joint en un qui semblait avec elle. Donc, on dirait que ça a porté l'homme un petit crasse chagrin. Mais, c'est bon Dieu qui fait comme ça. Parce que bon Dieu était en plan pour faire un être qui semblait avec l'homme. Mais il y a l'homme. Et il mettait l'homme dans une situation pour éprouver besoin. Et puis, puisque l'homme éprouvait besoin, eh bien, bon Dieu sentit ça. Il fait l'homme dormir. Et la Bible dit, bon Dieu fait une sorte d'opération dans l'homme. Il prend une côte. Et de côte là, qu'il prend, il formait une femme. Il formait la femme de un côte que le prend dans Adam. Alors, texte là clair. Il dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, nous sommes capables de dire l'homme vini, alors la femme vini à l'existence à partir de un côte que Dieu te prend dans l'homme, que lui-même était tiré tout d'abord de la poussière. Donc, la femme est le produit, on est capable de dire, d'un côte de l'homme. Ça, c'est ça la Bible dit. C'est ça la Bible dit. Et puis devant, on peut voir que ça la Bible dit, nous a fait foi ensemble avec elle. C'est, là, nous faisons parler de l'évolution, là, nous avons tiré la conclusion, nous, ou après, même qui peut-être contester fait ça ou pas le joindre vérité là-dedans à partir de Genèse 3 verset 19 que nous avons interprété plus devant. Donc c'est le travail des mains de Dieu. Femme non formée à partir du travail des mains de Dieu qui à partir de l'homme qui était fait à lui tirer un corps. Bon Dieu t'a fait la femme de la même manière. Et puis devant on va louer avec moi que gagne une hauteur qui relé Yéa ça et qui écrit un livre qui ça va le dire pour qui raison bon Dieu prend en compte. Donc n'a pas lire ça tout à l'heure. Donc
femme là, la Bible montre nous que tout de suite après Adam, l'homme là, l'homme pour le premier homme créé par Dieu et femme là pour venir, la première femme créée par Dieu, c'est Ève. Et nous voilà ouais. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8. Mais bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8, il va clarifier ça pour nous. 1 Corinthiens 11 verset 8. Je m'espère que vous avez un petit temps oui, pour vérifier ensemble avec nous et passage ça. Il dit comme ça. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Comprenez bien. Nous jouons l'information ça dans la Genèse. Et nous venons une deuxième information ça dans 1 Corinthiens. Information yo yo gagné yo gen liaison alors que auteur va t'a vivre dans même période mais yo et comme si on a dit yo chanter même cantique yo parler même parole parce que c'est sous et m capable dit l'auspice de et même poussée du Saint-Esprit a dit l'homme a été la femme a été tirée de l'homme. Tirée de l'homme, c'est une autre manière de dire que la femme il prend des sens à partir de une côte de l'homme. Justifier même information que nous te joignons déjà dans Genèse chapitre 2 verset 20. Un petit peu plus loin dans 1 Timothée chapitre 2 verset 13, 1 Timothée chapitre 1 chapitre 2 verset 13, qui ça nous lit? Il dit quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, sur ce, nous considérons la femme comme deuxième être, deuxième personne humaine qui venait à l'existence. On dit, c'est travail, mon Dieu. Bon Dieu fait tout l'autre bagaille par la parole et que le Père mette main là-dedans, seulement lui commander et la chose arrive. Mais pour l'homme et la femme, bon Dieu mette main dans la boue, il fait l'homme, il met des souffles dans lui, et à partir de vie ça, il tire en l'autre vie, à partir d'un côte de vie ça, pour le faire en l'autre vie. Ça, c'est le travail des mains de Dieu. Il n'y a pas rien qu'à contester, et si nous avons une autre information qui n'est pas semblée à ça, nous avons plus envie de contester, parce que là, il est question de Dieu, et ce n'est pas de n'importe qui, ce n'est pas de normes. Il y a un savant, et alors qui écrit qui gagne une vidéo tout sur YouTube qui est André Ouénin. André Ouénin, il gagne une réflexion qu'il fait qui intitulée d'Adam à Abraham. André Ouénin dans une réflexion qui intitulée Adam à Abraham et d'Adam à Abraham, il dit que Dieu n'a pas pris un os mais un côté. André Ouénin dit c'est pas un os bon Dieu te prend, c'est pas un côte mais son côté. Et André René expliquait que bon Dieu fan Adam, il prend un bord dans Adam pour le faire femme. Ça c'est André René. Il dit un côté. Alors que Bible pas nous dit nous un côte. Un côte. Alors ça n'a dit ah peut-être l'autre monde qui voit réflexion ça à tout et qui peut-être monter à bord. La Bible monde qui inspire la Bible là, ou bien personnage qui inspire la Bible là, c'est Dieu. Et Dieu, c'est un polyglotte linguiste. Polyglotte linguiste. Raffiné. C'est-à-dire, il parle plusieurs langues. Et langue jeune origine dans lui-même. Vous songez à Babel, tout de Babel en Genèse 11. Que c'est bon Dieu qui fait confusion des langues et il multiplie les langues et quel que soit peuple qui a prié ou parler, bon Dieu comprend l'étendue. Donc son polyglotte linguiste raffiné, c'est pas un monde qui est capable comme si fait ouais dans la langue, c'est pas un professeur qui étudie, mais c'est un créateur de langue. Langue jeune sous dans lui et par conséquent, il n'a pas fait erreur. Linguiste ça a une capacité si l'a dit côte il dit côte si l'a dit côté l'a dit côté donc quand la Bible dit côte côte égale côte et si la Bible t'a dit côté il t'a dit côté
et gen l'autre passage dans la Bible ou après on parler des côtés et écrit côté. Donc c'est pas un erreur, André René, malheureusement, la Bible dit mon côte. Côte par définition, je dis alors un côte c'est un os. Je définis comme un os des parties latérales de la poitrine dorsale jusqu'au sternum. OK, os de la des parties latérales de la poitrine depuis l'épine dorsale, l'échine dorsale jusqu'au sternum. Alors, à partir de définition ça, nous comprenons que la Bible parlait des côtes, elle va parler des côtés. Elle va parler des côtés. Et il y a un autre auteur qui c'est Yéa Saha, il a écrit un livre qui intitulé Tout ce qu'on dit les prophètes. Intitulé Tout ce qu'on dit les prophètes à la page 39. Il écrit ceci, m'appelez-le pour vous. Il dit Dieu a formé la femme à partir de la côte d'Adam pour qu'elle soit sa compagne, non de son talon pour être son esclave. Ouais, c'est bon. Les formes et femmes, non? Ouais, tout ce qu'on dit les prophètes, page 39. Yéa Saha. Il dit Dieu a formé la femme à partir de la côte d'Adam pour qu'elle soit sa compagne. Non de son talon pour être son esclave. C'est-à-dire, il y a une raison bien déterminée qui fait bon Dieu choisir un côte. Un côte, il est situé genre une sorte de là, à partir de l'épine dorsale jusqu'au sternum. D'accord? L'os plat. Kounia, à partir de information ça, il dit que pour que l'homme et l'homme t'a capable, pour que la femme t'a capable yon compagne pour l'homme. Et la Bible même dit dans Genèse, Dieu te dit la faire yon aide semblable pour compléter la femme et l'homme. Et pour ça, bon Dieu fait la femme, pour compléter l'homme, complémentarité de l'homme. Bon Dieu pas prend Zoa dans piel pour le dominer sous lui, mais il prend le bocot li tout près cœur pour le caramel en bas celle-là pour le protéger. Donc bon Dieu fait tout ça. Donc bon Dieu pas prend un côté, c'est-à-dire il fend Adam en deux. OK, si c'est à ça, nous t'a dit Adam t'a bon bord, un bon monde. Il était quand même semblé à un monstre. Mais bon Dieu, seulement faire une opération, il prend en côte après ça il fait mes place là. En pile là nous apprendre connait que femme là les femmes en général, yo gagne en côte en plus de l'homme. Donc il gagne en côte en plus de l'homme. Ça encore c'est une information et capable de dire biologie, dans biologie nous étudier qui apprend nous ça, qui confirme encore les dits de la Bible. Et là, si nous prenons déclaration hier à ça et que nous prenons aussi ça la Bible dit, c'est que la femme a été tirée de l'homme et comme l'homme, la femme est le résultat, le produit d'un travail singulier des mains de Dieu et à partir de un corps que lui prend dans l'homme et comme ça la femme vient à l'existence. On l'autre monde ta capable dit mais qui côté la femme sorti, mais qui côté la femme sorti, est capable ba en pile l'autre détail, mais la Bible, le livre le plus lu, le livre le plus imprimé, le livre le plus acheté, le livre le plus commenté de tous les temps, lui dit que Dieu fait l'homme à partir de un côte, fait la femme à partir de un côte que lui prend dans l'homme et lui travaille. C'est-à-dire logiquement comment ça fait fête, ou bien mathématiquement comment ça fait fête, eh bien mon ami, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, chers internautes, travail, bon Dieu, c'est fait miracle. Et Luc 1er verset 37, la Bible dit,
rien n'est impossible à Dieu. Pas rien qui est impossible à mon Dieu. Dieu parle, bagala arrive. Il commande, bagala exécute. De par lui-même. Et salement de assez sac venu. Donc, la femme, bon Dieu, endormit l'homme, il prend un côte. Et puis, à partir de côte là, il pas dit non, quel type de travail que mon Dieu fait, mais bon Dieu, il manœuvre côte là, et à son sens, et puis pour le capable de mettre l'homme, mettre la femme à l'existence. Donc, de là étant, nous concluons que l'homme a été tiré de la poussière. Genèse 2, verset 7. L'homme a été tiré de la poussière. Et par la même poussière, Dieu a tiré une côte de l'homme pour faire venir la femme. Genèse 2, verset 22. Donc, et l'homme et la femme sont tous les deux le produit d'un travail singulier des mains de Dieu. Des mains de Dieu. Donc, pas qu'il y a sorti de là, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et ça, c'est l'explication et probante des Écritures. Pas qu'à force au quel, même qu'à encourager au quel. Donc, que bon Dieu bénisse, n'a pas eu dans une autre émission, une autre, capable de dire, une autre publication, et qui pourra le chita sous et la théorie de l'évolution, nous allons faire un petit gadel et nous partirons en conclusion sur le sujet de la création. Donc, content que vous avez suivi avec nous, content que vous commentez et vous saluez vraiment amicalement dans le Seigneur et m'encouragez à suivre et m'encouragez à partager les informations sur d'autres groupes. Nous ne pouvons pas chercher view, mais nous avons aimé que la parole de Dieu allait plus loin possible et imaginable. Donc, aidez-nous dans le travail, ça, dans le sens, ça, mes bénis. Donc, que mon Dieu bénisse, ses amis, frères, pasteur Alvido Maxo. Et, pas oublier, vous êtes capable de venir directement tout sur numéro WhatsApp, 43 48 91 80. C'est très important. Si vous appelez, et nous contact personnel, ensemble avec nous, bien sous Chanel ou à suivre là, il y a un numéro qui figure sur lui, capable toujours écrire, commenter. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas oublier saluer les techniciens, nous, qui ont fait un travail au père dans la cuisine, pour lui permettre de jouer. Après ça, c'est pasteur Gley Eugène, ou bien notre frère bien-aimé Gley Eugène. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu jette grâce et bénédiction.